Les béliers, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Ouf, parce que moi, j'ai que dalle en stock pour vous. Les béliers, votre dernier reading, je l'ai fait en direct. Donc là, on est dans l'onglet vidéo. Si vous voulez voir votre reading, les béliers, votre dernier reading, vous allez dans en direct. Et vous avez votre reading bélier en direct. Voilà. Et là, je vous fais les béliers, ok? Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. Merci à tous les nouveaux abonnés de cette chaîne, merci pour les likes. Merci pour vos fabuleux commentaires, vos messages et tout ça. Et voilà, si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Si vous venez de Santiago, du Chili ou du Costa Rica ou du Japon, peu importe, et vous voulez un jour et une horaire spécifique, venez me voir directement sur Instagram. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Mon pseudo sur Instagram, c'est 5startarot. Alors bon, il y a un autre qui s'est appelé 5startarot avec un espèce de petit bonhomme étrange, mais c'est pas moi. Moi, c'est le Goku là qui regarde le ciel. C'est le même. C'est le même. Donc ça, c'est fait. Ouais, c'est ça. Donc venez me voir sur Instagram pour des jours et des horaires qui sont un peu différents de celles proposées sur le site. De toute façon, si jamais vous bookez un horaire sur le site et que vous voulez ajuster votre horaire, vous pouvez venir me voir sur... J'ai mal dormi. Vous pouvez venir me voir sur... ou alors je suis pas réveillé. Sur Instagram. Ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, enfin sur les marchés crypto, enfin si vous voulez un truc sur le forex, je peux le faire aussi, mais... Vous pouvez rejoindre le groupe privé, mon groupe Telegram. Ok, on est 67 de l'autre côté maintenant déjà. On est passé de 2 à 67, c'est pas mal hein, d'accompagner 67 portefeuilles. Je vous prends de 0 à millionnaire. Si vous devenez millionnaire, vous me filez 30 000, 2 millions, 60 000. C'est pas cher. Voilà, ça c'est fait. Donc ça c'est pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers. Ainsi que de notre accompagnement émotionnel et psychologique. Hein, pour ceux qui veulent retrouver le contrôle de leur économie, tout ça là, bah, c'est mon groupe privé Telegram, mais il faut booker une guidance sur 5 Star Tarot. Enfin, je parle depuis tout à l'heure pour rien dire. Il y a des trucs vraiment étranges qui se passent ici. Il y a des trucs qui bougent tout seuls, c'est ouf. Hein. Hier, je suis allé à une cérémonie tibétaine, dans un temple tibétain, avec des moines qui venaient du Tibet, enfin, qui bénissaient tout le monde avec des trucs en soie, là, un peu comme derrière le truc orange. Là. Et un moment, parce que bon, vous savez, moi, tout ça, ouais, les bénédictions, machin, les religions, enfin, les croyances, peu importe. Non, Jay, c'est pas pareil. Ouais, ok, je m'en cogne. Je suis déjà assez dans le monde. Hein. Depuis l'âge de 4 ans, je lis les énergies, les béliers. Donc, tout ce folklore humain, ça, peu importe que ça se passe dans le sud du Guatemala, dans le fin fond de la forêt amazonienne ou au nord du Tibet, pour moi, c'est la même chose, ok. Mais je vais vous raconter une histoire. Et donc, du coup, j'étais dans mon coin pendant que tout le monde allait se faire bénir. Les danses et tout, c'était super sympa. C'était vraiment cool. J'ai vraiment adoré les musiques, les trucs, le... Enfin, les... J'adore, hein. J'étais là, voilà, je me suis pas ennuyé, ok. Mais à un moment, je suis sorti tout seul, il y avait un grand jardin derrière, et j'ai regardé la lune, et là, j'ai vu un halo bleu autour de la lune. Alors, vous allez peut-être me donner une explication. J'ai vu un halo bleu autour de la lune, mais un, pas vraiment comme un mandala, mais un truc bleu, un cercle bleu, c'était bleu, bleu foncé, en fait. Hein. C'était bleu foncé, c'était bleu comme la machine, là, la machine à expresso, vous hein, voyez. Mais le truc un peu plus... C'était un bleu comme ça. Mais c'était un genre de bleu comme ça, mais plus foncé, comme un bleu saphir en fait. Et j'avais jamais vu ça, mais j'avais des lunettes de vue en fait, parce que la nuit, je mets des lunettes de vue pour conduire la nuit. Et je me dis, mais alors j'enlève mes lunettes, et je le voyais toujours, mais moins distinctement. Et là, je me dis, ah, il y a peut-être un reflet dans mes lunettes, donc j'essaie de regarder d'autres réverbérations et tout ça. Et je voyais pas ce truc bleu. Alors, quand je regarde la lune, habituellement, je vois la couleur des sept mondes vibratoires, hein, des sept vortex énergétiques, c'est-à-dire des sept... Je vois le rouge, le orange, le jaune, hein, qui vont vers la lune. Ok, je le vois, ça. J'ai pas besoin de... Ok, je suis quelqu'un qui voit les auras naturellement et tout ça. Ok. Mais c'était pas de ça qu'il s'agissait. Je me suis pas dit à un seul moment que c'était une soucoupe volante. Donc, je pense que c'était autre chose. Mais par là, parce que le micro est plus par là. Donc, je pense que c'était autre chose.
Et à un moment, du coup, j'appelle des amis qui étaient avec moi, et il y avait des enfants et tout, il y avait la petite. Et je dis, regardez tous en haut, regardez la lune, vous voyez quelque chose? Et tout le monde, bien entendu, se fout de moi en disant, non, non, il n'y a rien, c'est bon, il n'y a absolument rien, ok? Et moi, quand je regardais, je le voyais, ok? Et à un moment, je me retourne vers le monsieur qui faisait les bénédictions, là, et il est en train de me regarder droit dans les yeux, comme ça. Et il m'a fait un petit sourire. Donc, je ne sais pas si c'était par rapport à lui. Et donc, je regardais que la lune. J'ai bloqué dessus pendant un moment. J'étais complètement absorbé par la lune avec ce rond bleu que je n'avais jamais vu de ma vie, en fait. Mais très, très visuel, quoi. Et j'enlevais les lunettes et je le remettais et je voyais toujours ce rond bleu. Je viens de dire, Jay, tu prends quoi comme cachet? C'est quoi ta marque de cigarette? Tu mets quoi dans ton... Arrête avec les Nespresso, c'est blindé d'aluminium, c'est en train de te rendre cinglé. Et donc, le truc s'est terminé, tout ça. Et j'ai levé les yeux au ciel et il n'y avait plus rien. J'ai eu beau mettre les lunettes, enlever tout ça, il n'y avait plus rien. Enfin, ça a duré 5 minutes et puis au bout d'un moment, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Donc j'ai regardé mon écran de téléphone et quand j'ai eu une alerte par rapport au marché et tout ça, parce que j'ai des comptes rendus, des rapports à faire tous les jours sur mon groupe, et bien paf, j'ai relevé la tête et le truc, il n'était plus là. Et j'ai eu beau mettre les lunettes, l'enlever, tout ça, machin. Impossible de revoir ce truc-là. Donc si certains d'entre vous avez déjà vu ce truc-là et vous voulez me dire ce que c'est, allez-y. Vous pouvez me dire aussi, Jay, t'as une défaillance oculaire, va voir un ophtalmo. Mais bon, je sais que vous êtes tous barrés sur cette chaîne. Vous êtes tous spirituels, vous avez l'habitude de voir des soucoupes volantes, des intraterrestres. Vous avez tous des anciennes cartes qui datent depuis d'avant 1920 avec les passages pour aller vers Telos et Agartha. Vous savez qu'on vit pas dans un univers cosmique, enfin aussi cosmique, mais aussi holographique, si vous voulez, hein, pour ceux qui sont dans la science et tout ça. Et vibratoire aussi, bien entendu. Parce que toutes les vibrations, résonances et fréquences, ça ramène à dire que la Terre est plate, ronde, creuse à la fois et tout ça, ok? Allez voir votre reading bélier en direct, c'est vraiment cool les béliers. Ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, si vous avez des livres qui sont datés d'après 1920, hein, c'est-à-dire qu'avant que les mecs qui sont toujours en place maintenant sponsorise, fasse l'éducation, enfin pas l'éducation, la lobotomisation, l'endoctrinement, peu importe, les conditionnements, mais avant 1920, vous pouvez tout foutre à la poubelle, hein, toute l'histoire, tout le machin, tout est faux. Okay? Avant 1920, si vous avez encore des livres qui datent d'avant 1920, ou des cartes, ou des trucs comme ça, ou des documents, gardez-les. Vous allez dire, mais qui a encore ça, malheureusement? Ben, ceux qui ont tout brûlé, quoi. Tiens, tu parles trop. Allez, c'est parti. Je prenais mon café avec vous, les béliers. Excusez-moi, j'allumais la caméra. On était ensemble. On passe un bon moment. Je vais dire, mais on n'est pas tout le temps en vacances comme toi. Eh bien, c'est votre problème. Démissionnez, les béliers. Hein. Démissionnez. D'accord? Ouais, mais Jay, machin, ouais, je peux pas. J'ai des taxes, machin, j'ai des enfants, j'ai une famille et tout. Ben, moi aussi, les amis. Hein. On va pas empêcher de le faire. Et d'être libre. Comme cette pub, le mec qui gagne au. Comme cette pub, le mec qui gagne au loto là. Goodbye President, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est Goodbye President. Ça pourrait être le titre de votre reading. Hein. C'est la liberté absolue, les amis. D'ailleurs, je commence à être connecté à vos énergies et quelque chose vient de me dire ici que bientôt vous obtiendrez la liberté absolue, les béliers. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose vient de me dire que vous aurez le courage hein, qui implique le cœur ici, d'accord? D'aller vers votre richesse, de la racine latine talentium qui veut dire. Le talent, parce que vous avez tous un talent, un incroyable talent. C'est exactement ça, les béliers. Donc quelque chose vient me parler de quelque chose de grand, de beau et de puissant qui vous concerne. Vous allez enfin vivre votre meilleure vie. Ouais. Il me reste une semaine à faire ici, et après je m'arrache à Bali pendant un mois, ou en Thaïlande. Je n'ai pas encore réfléchi. Il me faut une petite bicoque tranquille. Comme d'habitude, j'ai ouais, une petite bicoque avec ton scooter, un marché de nuit pour aller manger des soupapes, c'est acheter des t-shirts pas chers. Je vais partir avec mon caleçon, ma brosse à dents et je m'arrache. Je vais aussi aller me faire masser pour tous les jours. Boire de le coco et guérir de cette déchirure du coude. Là, parce que je peux plus m'entraîner, je peux plus rien faire, c'est horrible. Je vais manger des tum kakai et des tom yum kong. Je vais me poser quelque part là. Une plage privée, un lagon magnifique, bleu azur.
Mais tu vas continuer à nous faire des readings, Jay? Tout à fait. Je vais continuer à vous faire des readings et je vais continuer à honorer mes readings privés, bien entendu. Bah ouais. Ça, c'est clair. Donc, je vais me trouver un truc avec un bon wifi et tout. Putain, je sors de la douche, là. Bon, allez, c'est bon. J'y vais, les béliers. C'est bon. Je suis en train de mettre tout ça en ordre. Allez, cutting the deck once more. Permettez-moi de délivrer les bons messages, mes amis béliers. Vous êtes en train de vous poser énormément de questions en ce moment, les béliers. Et il y a peut-être la peur de la blessure d'abandon, de trahison et tout ça. Vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis, peut-être que c'est même vous, vous avez l'impression que vous êtes un lâche et que vous devez fuir quelque chose ici. Mais non, en fait, vous êtes en méditation, vous êtes en attente. Il y a eu le Four of Swords aussi qui est sorti avec le Five of Pentacles in Reverse. Donc ça veut me dire ici que vous allez avoir l'illumination ici pour pouvoir prendre une grande décision. Prendre une grande décision en ce qui vous concerne. Mais c'est quoi ta bonne décision, Jay? C'est d'aller te raser, te faire beau et tout ça? Pas du tout. Pas du tout. Au moins, je vais rester comme ça. Je vais aller en Asie, mais ils vont tous me prendre pour un musulman, en me disant salam alaikum, alaikum salam. Ou pour un clochard aussi. Comme ça, je vais pouvoir négocier des bons prix pour le taxi, pour le tuk-tuk. Ils vont dire, oh là, lui, c'est un vieux backpacker. Personne ne saura qu'en fait, je suis milliardaire, exactement. Billionaires. Allez, c'est parti les béliers. Bimsy Breeze. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le 9 d'action in reverse, les béliers. Donc, ça vient de me dire ici, tout simplement et clairement, que vous ne voulez plus vous cacher. Ça vient de me dire que vous ne voulez plus vous cacher. Ça vient de me dire ici que vous n'attendez pas les miracles. Et ça, c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que vous allez aller chercher les miracles. Ça vient de me dire ici que vous allez tout simplement vous asseoir où vous voulez ici. Hein. C'est un petit peu, je pose mon cul où je veux, comme Rosa Parks, là, hein, dans le bus, là. C'est exactement ça, ok? Donc, ce qu'elle vient de me dire ici, que, en gros, et c'est marrant, parce qu'en sortant d'ici, sur le mur, il y avait une grosse fresque de Frida Kahlo, et j'étais en train de... Et bon, ça m'a fait penser un peu à Frida Kahlo aussi. Vous tombez amoureux de vous-même, les béliers, ensuite de la vie, et de trois, je m'en cogne, ok? Mais c'est exactement ça. Et ça vient me dire ici que il y a une place à prendre ici. Il y a une place à prendre. Et ça vient me dire que vous allez trouver votre place dans le monde. C'est l'empereur. L'empereur, c'est quoi, bien entendu? C'est l'énergie des béliers. Donc, c'est votre énergie qui vous pousse ici. Et vous êtes le décisionnel de la divine féminine dans ce cycle cosmique. Donc, la réalisation. Donc, ça vient me dire ici que vous voulez tout simplement y aller, hein. C'est une énergie rapide. C'est une énergie de victoire. Elle, c'est elle qui quitte la ville, qui quitte le paraître pour aller vers l'être. C'est celle qui quitte la cérémonie et de clôture et d'ouverture des JO, la pisse, la crasse, les égouts, enfin tous les trucs sans importance, la fausse histoire, qui quitte la ville pour aller vers la nature, les arbres, pour aller faire des câlins aux arbres ici. Elle ne tient pas les rênes du sphinx, c'est celle qui va se vaincre en elle-même avant de... Bah, c'est tout simplement ça, c'est une énergie de conquête, mais le chariot va se conquérir lui-même avant de pouvoir conquérir le monde. Donc vous allez vous conquérir vous-même. Donc ça vient me dire que vous allez vous prendre au sérieux, que vous allez faire confiance à votre composante spirituelle, votre composante angélique ici, les béliers. On a le 5 d'épines in reverse. Donc, tout simplement, une image vaut mille mots. Vous allez sortir de cette situation en ce moment parce que vous êtes dans cette situation en ce moment. Le 10 de confort. Donc, ça vient me parler de la transmission, d'une éducation ici. Hein, celle qu'il y avait avant 1920 ici, pour les enfants, pour les futures générations. Une éducation qui sert à prospérer. On a la mort ici. Okay. Donc, ça vient me dire ici que l'ancien monde est mort. Ça vient me dire ici que le nouveau monde est en train de naître et ça vient me dire ici que c'est les mêmes messages, hein, avec le cadre d'émotion. On va vraiment sortir de cette attitude d'apathie ici, les béliers, ok? Et ça vient me dire que si vous êtes prêt pour l'entraînement ou vous serez prêt pour l'entraînement à nouveau. Parce que quelque chose vient me dire que vous avez des épreuves à surmonter et que pour l'instant c'est difficile, que vous êtes en train de tenir, mais je pense que vous allez faire le bon move. Peut-être que l'objectif est encore loin ici, peut-être que vous vous accrochez, les béliers, mais en tout cas vous allez y arriver ici. On vous demande de ne pas avoir peur et de quitter l'illusion ici avec la Moon in Reverse ici et d'accepter la vie
comme un cadeau ici. D'ailleurs, Frida Kahlo disait sur sa tombe, justement, il y avait écrit « Viva la vida », d'accord, « Vive la vie », mais je ne souhaite pas revenir ici, mais ne me ramenez pas ici, quoi. Enfin, « Vive la vie », mais en gros, j'ai pas envie de revenir ici-bas, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire que en fait, non, c'est pas ça, en fait, mais on vous demande de ne pas avoir peur, de ne pas être dans la tristesse ici, mes amis béliers, ok ? On a le 7, je vais me dire, Jay, pourquoi tu regardes partout comme les chats là ? On dirait que tu vois des choses que nous voyons, mais je vous assure qu'il se passe des choses ici. T'as mis de l'encens, t'as mis du machin et tout, j'en sais rien. Les esprits me suivent partout. On a l'as d'épine ici in reverse, donc c'est les mêmes messages, hein, parce qu'on a le 9 de confort qui est, j'allais dire, qui vient me dire que vous êtes prêt pour vivre votre meilleure vie, pour vous revendiquer ici. C'est la carte de tous les miracles ici, d'accueillir les émotions, les béliers. Hein. C'est exactement ça, ok ? La Wheel of Fortune, il y a des choses qui vont changer ici et vous allez sortir du Jail of the Mind, c'est une prison de l'esprit. Et quelque chose me dit que vous avez encore une carte dans votre veste ici pour un futur départ ici. Mais ce n'est pas la bonne idée, les béliers. Ce n'est pas la bonne idée, c'est un processus lent qui est en train de se mettre en place ici. Okay? Voilà. Donc ça, c'est pour vous. C'est l'énergie qui porte votre jeu ici, en ce moment. Je crois qu'il y a Il y a un carré en ce moment dans le ciel. Je crois que c'est... Saturne et... bon, bref, il y a un carré en ce moment dans le ciel. Et en gros, ce carré, c'est... c'est Jupiter-Saturne, je ne sais pas trop quoi. Il y a un carré un peu spécial là. Mais c'est un petit peu un combat, si vous voulez, entre besoin et désir. Ça, c'est aussi, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas machin, mais ça fait partie des énergies aussi. Si on amène ça à mon attention, c'est que en ce moment, si vous voulez, peu importe, il y a un combat entre besoin et désir. Okay, donc ça vient me dire que vous avez certains besoins, mais que vous avez certains désirs, et j'ai l'impression que vos désirs vont correspondre à vos besoins et que vos désirs vont gagner. Donc c'est une sorte de fusion ici, les béliers, mais c'est quelque chose de bien ici, ok ? Vous allez vous décristalliser, il y a quelque chose de nouveau, c'est une carte de libération, c'est le soleil, c'est le grand oui ici, d'accord ? Vous avez vu, quand on regarde avec des lunettes UV de la crème solaire, c'est exactement ce que ça donne ici. Mais j'ai l'impression ici que vous allez vous débarrasser de quelque chose, il y a quelque chose de... Ok, vous allez briller les béliers, vous allez vivre un grand moment ici, ok ? On a le 4 d'épines ici, c'est votre challenge, hein. Elle est sortie à l'envers, mais là c'est une carte un peu spéciale, c'est la partie challenge, donc elle est toujours à l'endroit de celle-là. Ça vient me dire ici que pour l'instant, votre challenge, c'est de ne pas vouloir avoir la bonne idée pour agir tout de suite, mais de comprendre la leçon. La leçon qui est en train de se produire tout de suite devant vos yeux ici, d'accord ? C'est le temps de digérer tout ça, le temps de comprendre. Hein. La vie, c'est le plus grand des maîtres. Elle répète inlassablement la leçon, mais là, il y a vraiment une leçon très difficile à inculquer, même pour le plus grand des maîtres, et c'est celle que vous êtes en train de vivre en ce moment. L'énergie qui vous pousse à faire ça, c'est la princesse de confort in reverse. C'est-à-dire que vous ne voyez pas dans votre situation ici un futur possible, c'est-à-dire un épanouissement possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'ajustement, il y a un manque d'équilibre. Ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre tête, dans votre cœur ici, mais il y a un gros, il y a un ajustement ici pour trouver, j'allais dire, la paix, la sérénité. Et vous allez le faire, vous êtes en train de le faire ici. Vous allez laisser derrière l'inaction, c'est-à-dire que les choses vont commencer à s'accélérer, vous allez vous mettre en mouvement ici, donc l'action. Toute réalisation, tout miracle, bien que c'est la porte, se passe par l'action et vous allez trouver la bonne action ici. Ouvrir les bras, sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol, donc dire oui à la spiritualité, la vraie spiritualité. Hein. Pas les religions, les conditionnements, les histoires, les machins, ceux qui vont chercher un refuge dans une croyance qui vient de l'extérieur pour pouvoir trouver une rédemption dans cette vie faite de misère, de violence et de guerre, où l'homme est amené à la confusion, mais... Nous, religion, machin, plus machin que les autres, plus lumineuse, plus gentil, machin, on va vous sortir de là. Donc voilà, rejoignez notre groupe et venez faire des danses avec nous. Non, d'accord, ça c'est toutes les religions, ok. Chacun le fait à sa façon, insidieuse, indolore, d'autres sont plus revendicateurs, donc plus violents, d'autres plus machin, d'autres plus... Ils passent par-dessous, machin, dès que vous êtes... machin, va venir à ta porte, rentrer dans ton cœur, bref, toutes ces conneries, quoi. Donc, on vous dit ici que, à vous d'être fort, d'accord, hein, la force, les êtres humains continueront à construire des temples, et vénérer des dieux jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple et qu'ils sont des dieux, d'accord ? Dire Dieu est un mec qui vient de passer derrière là, frérot, mais il y a une piscine juste à côté, je ne suis pas le seul ici. Et il a le droit, je veux dire,
parce qu'en fait ici c'est pas bref, c'est une résidence hôtel, je sais pas trop quoi. Enfin bref, t'es pas chez toi, Jay, on l'avait compris. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est je suis jamais chez... Vous allez me dire en même temps, Jay, t'es jamais chez toi. Hein. Ça c'est clair et net, ouais, le mec, il est jamais chez lui, quoi. Donc on a le fou ici. Hein, je suis pas, moi je suis un citoyen du monde, je suis partout, okay, même en Antarctique, okay, même si je débarque à Telos Agartha là-bas, les gars ils vont me dire c'est bon, tu peux rester. Donc on a ça, d'accord? Il vient me dire que vous allez sauter de la falaise sans parachute, tout seul, comme des grands, ok? La reine de confort, donc ça vient me dire que vous allez quitter ça. D'accord? Regardez, ça tronche, hein? Mais pourtant, les capacités et tout ça, mais pour arriver à ça, le smile. Donc, c'est-à-dire que, en gros, je vais vous dire, les béliers, c'est simple, vous allez passer de ça à ça. Et vous savez quoi? Cette couleur qu'il y a ici, elle me fait penser à ça. C'est-à-dire que, en gros, il va y avoir comme un lifting, hein, quand on va... Et comment ça se passe le lifting, Jay? Ben, c'est simple, suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. Vous ne vous attendiez pas à ça, hein. C'est un proverbe égyptien, soi-disant, de l'ancien royaume de Kerm, ok? Donc, suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie, d'accord? On a, enfin, soi-disant, hein, j'en sais rien, de toute façon. Oui, parce que le royaume de Kerm, machin, Thoth, Hermès Trismégis, machin, le grand dieu qui vient nous dire que le tout est mental, alors que c'est absolument faux, le tout n'est pas mental, ça c'est les hermétiques, d'accord, hein. Non, il faut avoir de la compassion, donc le tout est matière, mental et divin, et tout a de l'importance, ok? Donc mental, le tout, une des composantes du tout est mental, mais il reste la partie matière et la partie divine qui n'est ni matière ni mentale. Vous avez ma chaîne Awareness System qui vous explique la nature de la vie, de la mort, de l'amour, des mondes vibratoires, de l'énergie, absolument tout, hein, de la naissance de l'humanité jusqu'à sa mort, de la nature de la méditation et tout ça, d'accord? Donc, la meilleure chaîne au monde qui vous explique tout, gratuite, liée à cette chaîne, et vous pouvez aller jeter un coup d'œil et utiliser ses connaissances au quotidien, ok? Et si vous pensez que vous savez beaucoup de choses, bah, allez jeter un coup d'œil là-bas et voilà. On a le roi de confort, ok? Ça va me dire ici que conseil de l'univers, ça va me dire que vous êtes des boss et que vous pouvez y arriver, tout simplement. Ça vient me dire que vous allez miser sur les bons projets, ça vient me dire que vous allez investir. Ce n'est pas le fait d'acheter et de vendre qui va vous rendre riche, c'est la patience. La patience qui est signe de maturité ici, ok? Et j'ai l'impression que vous allez investir, ok? Et lui, il est détendu, lui c'est un boss, je veux dire. Quand le mec, il débarque avec sa cravate pas trop bien mise et tout, avec ce style, personne n'a rien à lui dire, avec un euro pétrodollar, peu importe, qui ressemble à ça, hein? Ou alors le mec, il sort de sa poche une nouvelle technologie en disant, bon les mecs, maintenant... Ok. Bon, en gros, on vous dit, je vais arrêter de délirer, mais en gros, on vous dit, si, vas-y, j'ai délire. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on vous dit, ayez confiance en vous, ayez confiance. Quand vous vous levez le matin et que vous prenez votre douche, là, ok, et que vous êtes en train de il y a des messages qui vous viennent, d'accord, ou peu importe, des trucs, vous êtes des trucs très profonds, des trucs sérieux, c'est très lucide. Regardez ça en face. Je pense que vous avez quelque chose. Une décision très difficile à prendre, les béliers, et que seul vous, à l'intérieur de votre cœur, vous pourrez le faire ici, ok? Je vous lis comme personne, les béliers. On a le 8 d'émotion in a river. Je comprends pas pourquoi je suis Vox second ou troisième préféré. Je devrais avoir 300 000 abonnés sur cette, mais je suis trop au-dessus du game, en fait. On a le 8 d'émotion ici dans l'entourage. C'est-à-dire que ça veut me dire que souvent, vous avez voulu quitter un entourage malsain et que vous êtes toujours revenu sur vos pas, hein. C'est un peu comme elle qui dit, c'est fini, je m'en vais, mais elle laisse sa main derrière en disant, rattrape-moi, 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 parce que, en fait, je ne peux pas marcher jusqu'à là-bas, parce que j'ai pas de savate et que je vais me trancher les pieds, que je vais devoir revenir et que. Mais non, elle peut y aller et aller là-bas et se retrouver un autre mec, ou peu importe, hein. J'allais dire, peu importe ce qui va lui arriver, ok, mais elle peut se barrer, ok. Sauf qu'elle revient toujours sur ses pas, allez savoir pourquoi, ok. Donc là, on vous dit, faites pas ça. Ok, espoir et peur, vous vous demandez si vous aurez la force de ne pas revenir sur vos pas. Oui, vous êtes de grands guerriers, ok. Si on devait voir la tronche de celle-là, là, ok. Eh bien, elle serait là, d'accord? Une petite parenthèse, les amis. Si jamais vous n'avez pas PayPal et que vous ne voulez pas faire des guinées, ça, c'est une petite parenthèse pour ceux qui vont regarder, mais je le dirai plus tard sur un dosing au début. Mais j'y pense. Alors, je vais commencer à m'entraîner maintenant sur cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas PayPal, d'accord?
et qui n'ont pas Instagram parce qu'ils sont pas machin connectés, qui sont super trucs machin avec un point homme sur les montagnes et tout ça, super spirituel, ok, qui dans ma cabane, dans ma j'ai mes savates à deux doigts, ok, d'accord. Je regarde la mer, ok. Donc pour ceux qui bouffent du comment s'appelle là, du tofu toute la journée bio machin là, ok, qui ont pas Instagram machin, qui ont pas de PayPal, qui veulent mon RIB, qui veulent ceci, qui veulent cela, allez booker une guidance ailleurs. Ok, j'ai pas que ça à faire. Si vous voulez booker une guidance avec moi, vous avez un PayPal, ok, et vous avez Instagram. Vous allez ouvrir un compte, vous allez faire votre guidance et ensuite vous allez vous désabonner si vous voulez. Mais vous allez implémenter ces petits efforts. Donc Instagram, parce que les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Je parle pas pour vous les béliers, je parle pour ceux qui viennent m'emmerder là, hein, qui comprennent pas que je suis pas à 100 euros près, d'accord? Mais que c'est le prix si jamais ils veulent voir leur vie changer. Parce que voilà, si tu veux aller à un concert de Mozart, et ben ça coûte, ok, ça devrait coûter 10 000 euros mes guidances. Ok, je suis sympa, je vous les fais à 100 euros. Bref, pareil pour mon compte Telegram et tout ça. Ok, allez trouver un mec qui va vous rendre millionnaire gratos, vous. Bref, tout ça pour vous dire ici. Si tu n'as pas de Telegram et que tu n'as pas un compte Instagram, perds pas ton temps à venir me gonfler. Ok? Oui, Jay, je compte souvent t'envoyer des. Je m'en cogne de ton fric. Ok, j'ai pas besoin d'argent, moi. Ok, je suis milliardaire. Ok, donc, ça se voit, non? Bon, bref, elle est où ta Lambo, Jay? Je m'en cogne d'avoir une Lambo, ok? Moi, je me balade à vélo. J'ai quelques montres à 50 000 boules, mais bon, je les mets rarement parce qu'après, on m'envoie plus de PayPal et tout ça. Bref, tout ça pour vous dire ici, mes amis. Et les PayPal, c'est important. C'est de l'amour, c'est de l'énergie, parce que c'est pour ça qu'on appelle ça money currency. Hein? Donc, vous avez mon lien PayPal là sous les vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer des. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont été généreux avec moi là. J'ai eu énormément de PayPal. Merci à vous. Merci à vous, ceux qui t'ont. Boubacri, merci. Naïma, merci pour les 9. Je crois que j'ai eu Sylvie, merci pour les 2, 3. J'ai eu Lily, merci pour les 2. Merci pour. J'ai eu Emmanuel Lebon qui m'a envoyé 12 euros. Enfin, merci à vous. Merci à vous. Okay. Bon, bref. Donc, vous êtes en train de vous demander si jamais vous aurez la force ici. Hein. Et ben oui, vous pouvez avoir la force. D'accord? Et pour terminer, on a la tempérance in reverse, mes amis. Ça vient me dire que ça va s'accélérer ici. Ça vient me dire que ça va s'accélérer, ça vient me dire que vous êtes guidé par les anges, ça vient me dire, et c'est une carte d'alchimie. Ça vient me dire ici que, alors, c'est même plus profond que ça, mes amis. Ça vient me dire ici que vous êtes tellement concentré sur vos objectifs et vous ne voulez tellement pas vous soudoyer, vous ne voulez tellement pas poser un genou à terre qu'on est obligé d'accepter votre toute puissance et votre toute magnificence. Les êtres humains n'ont pas peur de l'échec, les béliers. Les êtres humains ont peur de leur toute-puissance. Okay? Quand j'ai dit que j'allais me barrer d'une entreprise du 440, une grosse boîte qui m'offrait la vie éternelle avec 13e mois, 14e mois, machin, gros salaire, voyage, gros hôtel, machin, à travers la planète et que j'avais rien à faire à part juste être là et représenter leur bannière, tout le monde, que ce soit mon père, ma soeur, mon frère, m'a dit « Tu veux faire quoi? Tu veux tirer des cartes sur YouTube? Mais t'es fou, mais t'es cinglé, je te quitte, je prends les enfants avec moi !» Ça fait 3 ans, je vis ma meilleure vie, elle n'est pas prête de s'arrêter, ok? Donc ça vient me dire ici que vous n'êtes pas prêt en fait à faire des concessions. C'est votre vie, c'est la liberté, vous vivez égoïstement, mais vous avez raison parce que si vous ne vivez pas pour vous-même, pour qui vous avez envie de vivre, vous voulez trouver quelqu'un qui pense comme vous, qui est comme vous, qui mange comme vous, qui chie comme vous, qui dort comme vous, qui fasse l'amour comme vous. Ah, what's up? Et donc ça vient me dire ici, mes amis, que vous êtes des boss. Et comme vous êtes des boss, les béliers, hein, allez voir votre dernière guidance en direct. Déjà, vous étiez des boss la dernière fois, mais là, vous l'êtes encore plus. Et bien, ça vient me dire que l'énergie d'en face est obligée de vous respecter au minimum, de vous aimer et de changer. C'est-à-dire, en gros, c'est vous le vous attirez tout à vous, les amis, ok? On a la remise à la terre, le 33, exactement. Christ Consciousness, ou la bière 33, peu importe. Mais ça vient me dire ici que, je vais mettre un petit pause à la caméra parce qu'il y a quelqu'un qui fait de la perceuse à côté, mais ne vous inquiétez pas, j'ai plusieurs portes, en fait, elle est immense. Et ouais. Les fardeaux restent bloqués en toi, tu dois te nettoyer. Allume ta bougie dans le calme, pieds nus, dans ma petite bière, dans ma cabane, dans le soleil, dans la terre, je regarde la mer comme si c'était un... Les fardeaux restent bloqués en toi, tu dois te nettoyer. Allume ta bougie dans le calme, pieds nus au sol et remets tes soucis à la terre. Dis-lui que tu l'aimes et que tu la remercies de prendre désormais soin de ce que tu n'es plus capable d'accumuler. C'est exactement ça. Je vais le relire parce que ça a l'air d'être sérieux. Hein, c'est le niveau 33 aussi chez les francs-maçons, les deux aigles. Hein.
c'est la deuxième vie, c'est la vie de la connaissance. C'est-à-dire que c'est quand l'aigle, en fait, s'offre une deuxième vie. C'est-à-dire qu'il va mourir, mais non, il décide de pas mourir, il décide d'aller se fracasser le bec contre la montagne pour qu'il y ait un deuxième bec, le symbole des United States of America. Et ensuite, avec son nouveau bec, eh ben, il s'arrache les serres et il a des nouvelles griffes, hein, pour aller... Et ensuite, avec les nouvelles griffes, il s'enlève les anciennes plumes pour avoir des nouvelles plumes. Donc, c'est une deuxième vie, c'est un nouveau aigle. C'est-à-dire qu'à 45 balais, le mec, il se remet à voler dans le ciel, très haut dans le ciel, comme un jeu. Et puis, il va choper toutes les petites aiglettes, là. Hein. Un peu comme moi. Exactement. That's what's up. Donc, ça veut me dire ici que je vais aller... Vous allez dire, Jay, j'entends pas, mais moi, je l'entends. Je vais aller... Donc, tout ça pour vous dire ici, mes amis, que... Vous allez vous offrir une deuxième vie, d'accord? Et ça symbolise aussi la deuxième conscience, bien entendu, parce que quand on est persuadé qu'il faut se marier, avoir des enfants, travailler, machin, avoir un statut, écouter papa, maman, son statut social, son parti politique, sa culture, ses religions, que les pyramides ont été faites avec des esclaves et des petits morceaux de bois, que machin, qu'un dragon va descendre du ciel pour les sauver, qu'un dieu rédempteur va machin, il faut se brosser les dents tous les jours, il faut boire du lait, il faut, enfin voilà, il faut être bref. Un bot, quoi, d'accord, hein, faut l'expliquer pour aller, machin, hein. Donc voilà. Alors là, ils nous ont sorti une nouvelle variole. Bon, bref, ça, c'est la suite, hein, je veux dire. Tout est dans la cérémonie de clôture et d'ouverture des... Allez voir ce qui se passe, hein, je veux dire. Tout est là, hein, c'était un petit peu... Ils nous avaient déjà prévenu avant, ils nous prévenaient. C'est comme ça qu'ils se libèrent de leur karma, en fait. C'est un peu comme un mec qui rentre dans un tribunal et qui dit au juge, bon, vous voyez les deux mecs dans l'assistance, là, je vais les buter. Ok? Ben, ils veulent le faire ensuite, mais faute à moitié avouer, pardonner. Ou alors, tout le monde, il va pouvoir dire, ouais, mais vous avez fait non-assistance aux personnes en danger parce que je vous avais prévenu que j'allais le faire et personne n'a rien fait. Ou le truc va dire, bah non, c'est pas possible, c'est gros comme une maison, il nous a dit qu'il c'est pas quand même lui qui l'a fait. Hein? Donc, ils vont trouver autre chose pour tout se dédouaner. C'est la technique du karma, en fait. C'est parce que les élites, en fait, qui gouvernent ce monde savent qu'on est dans un monde vibratoire. Ils connaissent le karma. Donc, ils sont obligés de mettre tout aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire de montrer ce qu'ils vont faire, de montrer leur agenda, de montrer leur plan pour se dédouaner du karma, en fait. Comme ça. Eh bien, vous êtes tous au courant que vous êtes des gueux, vous êtes des singes, des macaques et que vous vivez tous les matins dans les embouteillages, 440 Hz pour toucher un SMIC et que vous êtes des crevards en gros, quoi, des esclaves en fait, des bottes, ok? Donc vous êtes là, oui, ma femme, machin, ceci, mais vous êtes que dalle en fait, d'accord? Donc voilà, hein, Brad Pitt, machin, mes burnes, ok, bref. Donc tout ça pour vous dire, pour ceux qui m'ont, je pense que vous m'avez compris, oui, vous m'avez compris, vu votre reading, vous m'avez compris. Et tout ça pour vous dire ici que tout est là devant vos yeux, ok? Donc, le fait qu'on ait cette énergie-là, in reverse, eh ben, ça vient me dire que du coup, c'est difficile de vous ignorer et qu'il y a des personnes qui doivent faire des efforts et se transmuter pour pouvoir, j'allais dire, être dans une relation stable avec vous ici. Ça vient me dire que c'est une carte d'alchimie. Transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations. Vous êtes en train de faire tout ça, les béliers, ici. Hein? Donc, l'aigle, c'est ça. C'est une deuxième vie. C'est le 33, ici. C'est exactement ce que je viens de vous lire, ici. C'est le 33, ok? Tes fardeaux restent bloqués en toi. Tu dois te nettoyer. Allume ta bougie, c'est-à-dire tes conditionnements, quoi. Allume ta bougie dans le calme, pieds nus au sol et remets tes soucis à la terre. Dis-lui que tu l'aimes et que tu la remercies de prendre désormais soin de ce que tu n'es plus capable d'accumuler. C'est exactement ça, mes amis. La remise à la terre. Vous êtes fatigué, mais vous êtes encore puissant, ok? Bon, je vais aller fermer quelques portes et mettre la clim, là. Comme ça, on va pouvoir continuer ce reading, les béliers, tout de suite. Ok les béliers, c'est bon, j'ai mis la clim, j'ai fermé les portes, donc là on sera tranquille. Et ensuite, je termine votre reading et je vais profiter du soleil. Bon allez, je vais prendre un jeu technique. Et on va terminer ça ensemble. On va terminer ça ensemble. Cutting the deck. Cutting the deck. Il y a des trucs vraiment bizarres ici. Bon, allez, cutting the deck. Là, il y a un pilon. Danger J, on a déjà vu un pilon, on s'en cogne. Ok, arrête de nous gonfler là. Putain, le mec est en train de faire voir tous ces trucs, quoi. Aussi, on a une cuisine J, hein. Je veux dire, c'est bon. Ok, donc ça, c'est fait. Comme un enfant. Mais vous êtes des enfants aussi, les béliers, hein. Je retrouve toujours mon cœur d'enfant quand je suis avec vous. Et c'est vrai, c'est vrai. Hmm? Ma petite qui est bélier, elle a 8 ans. Enfin, c'est pas ta petite, j'ai été son beau-père, ok, on a compris. Hein. Mais en tout cas, je suis son père d'énergie, quoi. Hein.
celui à qui incombe la lourde tâche de lui faire sa vraie éducation, hein, pas ses conditionnements qu'elle aura à l'école. Mais elle a toujours son doudou à 8 ans. Vous allez me dire, c'est normal, Jay. Ouais, mais c'est ça. Mais elle est bélier. Hein. Par contre, pour courir partout et pour tout casser, ça, elle est forte. Hein. Pour se mettre en colère. Donc, mes amis. Ben heureusement que t'es pas son père, Jay, parce que vu que tu vas te barrer 2 mois en Thaïlande. Exactement. C'est clair et net. Je voulais l'amener à Pattaya avec moi, mais sa mère a dit non. Bref. Et pourtant, elle se serait éclatée. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les béliers, on va aller clarifier le 9 of action in reverse. Mais on te laisse partir à Bali et machin, en Thaïlande, peu importe, au Mexique, 3 mois, tout seul, mais personne n'a le choix de quoi que ce soit avec moi. Je vais vous dire les choses. Ok? I'm a free man, alright? Tu vois ce que je veux dire? Hein? Exactement. Donc, on a la tour dans le saut. Donc, ça vient me dire que vous allez faire une énorme prise de conscience. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui s'y attend pas et que vous vous y attendez. Okay? Lui, il saute la tête la première et elle, il se dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Toujours pour laisser rentrer le soleil. C'est une énergie scorpionique ici. Hein? D'accord? Donc, c'est pour aller. Vous allez avoir l'idée de ce que vous voulez vraiment réaliser ici. Okay? On a l'énergie des béliers par excellence avec un ciel en or ici, d'accord, de la couleur du Bitcoin. Donc, ça veut dire que c'est ni l'un ni l'autre et c'est la troisième option. Et ça veut dire que vous vous arrachez ici et vous avez le lâcher prise ici. Ça veut dire que votre connaissance fait que cette petite corde ne peut pas vous retenir ici et vous allez danser la polka. Je m'arrache. Exactement. Exactement. Ok. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. No keys, push the start. Exactement. Uh-huh. You know what it is. Ok, ça c'est fait. Je vais aller clarifier le soleil. Bon, c'est le soleil qui vous appelle les béliers. Vous êtes des boss, hein, franchement, rien à dire. C'est une situation compliquée qui vous arrive ici, mais la vie est avec vous. La vie est avec vous. Hein. La vie est avec vous. Ce ne sera pas le titre de votre reading, parce que je trouve ça... pas top, mais la vie est avec vous. Sous le soleil, d'ailleurs. Sous le soleil. On a donc... je me rappelle pas c'était quoi la suite. J'ai pas longtemps vécu en... On s'en fout, en France, mais la chanson m'avait marqué. Et les gonzesses aussi. Donc, on a le soleil ici. Le soleil, on a... Ok, le 3 de pentacle. D'accord. J'ai dû regarder un ou deux épisodes. On a le... Mais il y a longtemps, vous allez dire, Jay, il y a longtemps. Bon, on s'en fout. Donc, on a l'impératrice ici. Donc, ça vient me dire ici que... Ça vient me dire que c'est l'amour de vous-même. C'est Frida Kahlo. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même. Aimez la vie. Et ensuite, le reste, on s'en fiche. Vous allez vous libérer ici. Vous allez prendre des grandes décisions. Vous êtes Vénus réincarnée sur la Terre comme au ciel ici. Vous rayonnez comme le soleil. Vous allez avancer vers le soleil. On vous donne la solution ici. On vous donne la solution ici, les amis. Pour l'instant, vous ignorez la solution. Vous ne voulez pas la prendre parce que la solution fait trop mal. La solution fait trop mal, mais c'est la solution. Et ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et vous rendra plus fort et heureux, d'accord? Vous voyez, il y avait du bruit, il y avait machin, il y avait ceci, il y avait cela. J'ai fermé 3-4 portes, j'ai mis la clim, fermé les trucs. Maintenant, tout le monde peut faire le bruit qu'il veut, on ne les entend plus. Voilà. Et finalement, on est bien mieux comme ça. Alors, c'était vraiment chiant d'éteindre la caméra et d'aller faire tout ça. Mais maintenant, je suis pépère, ok? Je suis pépère. Je vais clarifier le 4 d'épines ici, ok? C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas faire, ou ça demande de se lever de sa chaise, ou ça demande de faire un effort, ça demande de sortir des schémas ou de faire quelque chose d'inconfortable. Mais quelque chose vient me dire ici que c'est ce qui va vous permettre de vivre votre meilleure vie aussi, ou de faire une prise de conscience, d'accord? Il y a un jail of the mind, c'est-à-dire qu'il y a des choses où vous ne vous êtes pas rendu compte, mais c'est dans l'esprit ici, et vous avez la force ici. Vous avez la force de vous libérer de l'ego, c'est-à-dire des peurs, et de faire quelque chose qui va vous mener loin ici. Donc, tout simplement, c'est quoi? C'est vous mettre avec les vôtres, c'est vous mettre avec des personnes qui vous soutiennent, c'est vous mettre dans une certaine stabilité, c'est vous mettre dans un équilibre. C'est rencontrer des personnes qui vont vous voir comme le soleil, qui vont vous accompagner, qui vont vouloir construire avec vous, qui ont eux aussi des talents, qui sont eux aussi libres, qui veulent eux aussi construire un nouveau monde, qui veulent sortir de l'illusion, de la maya, des conditionnements, de l'endoctrinement. Hein. Exactement, aller à l'armée pour tuer ou se faire tuer ici. Hein. Tous ceux qui font partie d'un groupe, hein. Ceux qui revendiquent et
et porte l'uniforme et tout ça là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Police, machine matrice, cervelé, mandaté sur la justice sur laquelle je pisse, usé. Exactement. C'était quoi? C'était NTM ça? Je me demande qui sont devenus là. Alors, j'en sais rien. Et je m'en cogne en fait, tout ça pour vous dire. Mais non, finalement, mais blague à part, NTM, j'ai écouté quand j'étais plus jeune et j'adorais vraiment, d'accord. J'ai toujours pensé que Kool Shen, c'était un grand lyriciste. Ouais. Et puis bon, voilà, c'était vraiment pris avec la voix de l'autre et tout. Mais bon, depuis qu'il a commencé à taper, j'ai vu la vidéo où il avait tabassé son singe, là, ça m'a énervé en fait. Je me suis dit le jour, bref. Et puis il tabasse son singe, en plus il agresse des hôtels, des... bref. Okay. Bon, on s'en fout, d'accord. Je veux dire, on a tous fait des conneries, ok, machin, j'espère qu'il a changé, ok. Donc, on a le diable, ici. Donc, ça vient me dire ici que le fait de ne pas croire en vous-même, ici, le fait de ne pas croire en vous-même, ici, mes amis, c'est ce qui fait qu'il vous attache à quoi? Aux peurs. Et les peurs, c'est quoi? C'est l'ennemi de l'amour, ici, ok. Donc, on a le cavalier d'épée qui vient me dire que il va y avoir une conversation sérieuse ou que les choses vont s'accélérer ou qu'il va y avoir des actions qui vont être implémentées, ici, pour aller vers le bonheur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que votre bonheur est à l'intérieur de vous-même, que vous voulez le revendiquer. Et que, alors, ça vient clairement me dire ici avec le diable qu'il y a quelque chose, une énergie qui vous enchaîne et qui n'est pas faite pour vous. Et une énergie un peu pervers narcissique. Vous savez, le pervers narcissique, c'est celui qui vient vous mettre dans la merde, ensuite qui vient vous sauver pour montrer à tout le monde, ou pour vous faire croire vous-même qu'il vous a sauvé, alors que dans la réalité, c'est une énergie vampire et que vous n'avez pas besoin de cette énergie ici. D'accord? On a le cadre de confort. On a le cadre de confort. C'était juste une chanson, en fait, hein, pour machin, là. Oui, Jay, est-ce que tu as des amis dans la police, dans l'armée, dans les pompes? Exactement. Exactement. Et je fais même des guidances privées à des policiers et à des corps d'armée, tout ça, qui viennent me voir aussi. J'ai énormément de respect et d'amour pour eux. Voilà, sachez-le, ok? Voilà. Donc, voilà. Ok. On a et le cadre de confort ici, d'accord. Et pour les gilets jaunes, j'ai aussi, d'accord. Pour tout le monde, d'accord. Pour tout le monde, ok. Chacun est libre de rester dans un petit niveau de conscience ou de s'éveiller, d'accord. Et dans toutes les stratosphères, vous trouvez des graines, ok. Des graines qu'on a enterrées et qui vont devenir des... Je veux dire... Rien n'est perdu. C'est un peu comme Naruto. Naruto, je veux dire, il est un petit peu Solomon, après il devient Hokage. C'est comme ça qu'il faut penser. Il suffit d'un instant, mes amis. Et je peux vous dire que par le passé, j'ai pris de nombreuses douches avec l'ombre, mes amis. Ok. Donc, en gros, lui, je connais. D'accord. Donc, je ne vais pas juger les autres ou quoi que ce soit. Ok. Non, mais je tenais à le préciser pour pas que vous pensiez que je suis. Ok. On a le cadre de confort. Donc, le cadre de confort ici, le fait de ne pas écouter cette porte de sortie ici, le fait d'avoir peur et de rester dans l'illusion et de penser que vous ne pourrez pas y arriver ici, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de longue date, hein. Ça peut vouloir me dire que, en fait, vous êtes emprisonné ici dans quelque chose qui paraît une bonne relation pour vous, et quelque chose, mais ça, vous savez, ça représente le mariage, ça, hein. Mais en fait, derrière, c'est ça. C'est-à-dire qu'au niveau de l'apparence, peut-être qu'en ce moment, les béliers... Ça peut être une grande entreprise, ça peut être je ne sais quoi, ça peut être une femme qui est magnifique, des enfants, un statut, ceci, cela, vous êtes respecté de vos amis dans les dîners mondains ou que voilà, vous avez une petite émission YouTube, radio, machin, on vous voit, on vous... Mais à l'intérieur, en fait, il y a vraiment quelque chose de plus grand qui vous aspire. Hein. Peut-être ce que vous voulez, c'est être un vrai boss, en fait. Donc... je vais commencer à clarifier cette énergie-là. Ok, on a le Ten of Swords juste derrière, c'est exactement ça. Et ouais, sauf que là, il est à l'envers, il est à l'envers, il est à l'envers, mes amis, il est à l'envers. Vous ne dites rien à personne, vous ne dites rien à personne et vous n'osez pas, mais vous êtes prêt, vous êtes prêt. Et aussi, ce que ça vient me dire, c'est que le moment où vous allez faire un pas en avant, il y a une énergie, il y a une grosse énergie. On va voir si on tire le cavalier des pentacles avant que je vous le dise ici. Mais je vais vous le dire maintenant, parce que ça va sortir. Et si ça ne sort pas, c'est le message. C'est que dans la vie, full metal alchimiste, il faut laisser tomber quelque chose d'une grande importance, d'une grande valeur, pour pouvoir obtenir une chose aussi d'une grande valeur et d'une grande importance, de la même intensité, mais qui sera cette fois-ci, j'allais dire, ce sera de la haute couture, c'est-à-dire que ce sera exactement fait pour vous, ok? Vous pouvez, vous savez, c'est comme ça dans la vie, les béliers. Par exemple, vous avez elle, vous avez deux gonzesses, ok?
Il y en a une, elle est petite, elle est moche, ok, machin, peu importe, ok. Et puis l'autre, elle est grande, elle est belle, machin, tout le monde, machin, elle vient d'une famille aisée, elle est intelligente en plus, hein, les deux sont ok. Il y en a une, chacun son type d'intelligence, mais il y en a une, tous les mecs sont dessus, ils disent putain, ils la veulent, quoi, tu vois. Et l'autre, ben, c'est un genre de ragondin, moi, elle a un petit, comment dire, elle a un charme et tout ça, ok. Mais vous, ok, eh ben, vous avez la chance d'aller avec les deux. C'est-à-dire, vous pouvez choisir l'une ou l'autre. Et tout le monde va vous dire, allez, va avec celle-là, mes frérots, vas-y. Et vous dites, non, mais moi, c'est l'autre que je préfère. Quoi? Le petit. Mais non, fais pas. Mais non, mes gars, mais regarde ce que t'as devant toi. Ouais, mais moi, c'est vers là. Et il faut du courage pour ça. De dire, mais non, mais moi, c'est celle-là que je veux, en fait. Parce que c'est celle qui me correspond, en fait. C'est celle qui va m'accompagner, c'est celle avec qui je vais pouvoir finir mes jours, c'est celle avec qui je vais pouvoir prendre la main, c'est celle que je vais pouvoir aimer et tout ça. Vous allez me dire, ouais, mais au lit, tu vas fantasmer, tu vas penser, non, que dalle. Parce que vous allez trouver une nouvelle façon de faire l'amour en respirant le, comment dire, la laine de chacal du. Non, non, pas du tout, mais. Je veux dire, de partager les fluides, les flots énergétiques, de regarder dans l'âme, dans l'œil de l'autre. En fait, on fait l'amour à l'âme de l'autre, et puis on ressent les sensations, le corps et tout ça. Hein. En éteignant la lumière pour pas avoir les bourrelets. Non, pas du tout. Vous pouvez le faire en plein jour et tout ça. Si ça se trouve, vous allez tellement mâcher ensemble que pif, elle va s'affûter et puis ça va devenir une boum et tout. On va dire, mais finalement, l'autre là-bas, elle est moche alors que celle-là, après 14 enfants, c'est toujours une. Bref, vous m'avez compris. Hein. Je vais me dire 14 enfants, c'est bon, je suis pas une truie, tu vas arrêter tes conneries. Bref, donc on va aller regarder. Hein, va faire un enfant, toi, avec ton gros bide là. Hein. Donc on a le fou ici, au centre de votre reading, pour comprendre ici. Ouais, faut être un peu un timbré en fait. Allez, c'est parti. Mais en tout cas, c'est clair et net qu'il y a un mini-cum ici qui a des sentiments pour vous et qui vous dit pas. Hein. En fait, mais il est là, il est prêt. Hein, d'accord? Il a son truc là. Non, c'est pas un godmiché, vous savez, les trucs avec les boules là pour faire rebondir le. Bref. Donc, un bilboquet, on appelle ça. Donc on a le fou ici. Donc je vais clarifier le fou. D'accord? Ah là là là. Dire que tous mes potes sont en train de surfer en ce moment là. Pourquoi tu n'y es pas allé, Jay? Je croyais que tu étais un homme libre. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de fond et je ne suis pas aussi bon qu'eux. Et je me suis dit, vu la taille des vagues, si je me loupe et que je me prends là, là je suis mort. Là, vous ne me revoyez plus jamais. Donc voilà, je veux dire, je vais attendre un petit peu. Là, je suis bien, je suis posé. C'est le matin. Donc, le fou, ok? De toute façon, j'habite dans un des endroits dans le monde où il y a la plus grosse fréquence de vagues à l'année, de toute la planète, ok? Donc littéralement, je peux surfer quand je veux, ok? Et si jamais il y en a plus, je peux prendre un billet d'avion et aller à Bali. Pourquoi? Parce que je suis libre, je fais ce que je veux, quand je veux, patati patata, et qu'il n'y a pas un patron, quelqu'un qui va dire « Non, tu peux pas y aller partout. » Et frérot, tu m'as vu ou quoi? Je m'arrache, ok? Donc, on a le fou ici. On a Beam Sea Breeze. That's what's dans le sol. Et ça veut me dire que vous êtes prêt. Hein. Ça veut me dire que vous êtes prêt pour le grand saut. Et ça veut me dire que vous êtes prêt pour le grand. Pardonnez-vous d'être prêt pour le grand saut, les béliers. Ok? Pardonnez-vous d'être prêt dans le grand saut ici. Hein. Pardonnez-vous d'être prêt pour le grand saut ici. Ouh, je ne dis rien par hasard. Quelque chose de très concret, quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. Quelque chose qui va émerger de terre ici. Votre meilleure vie au quotidien. La reine de confort. On va aller vers la reine de confort pour comprendre ici. Donc ça vient de me dire que non seulement vous allez aller vers une nouvelle opportunité, mais que cette nouvelle opportunité, je pense qu'elle va vous rapporter ici. Elle va vous rapporter ici. Prendre une décision. Alors, ouais. C'est-à-dire que en gros, j'ai l'impression que vous. J'entends le truc là. If you make a move, I move. En gros, si vous. Quelque chose vient de me dire qu'il y a deux énergies qui vont se retrouver au même endroit, qui va prendre une décision. Il y a quelqu'un ici qui va prendre une décision à votre sujet ici. Et c'est parce que. Et eh bien, tout simplement, vous ne lui laissez pas le choix, d'accord? D'accord? Vous ne lui laissez pas le choix, en fait. C'est pas ça le truc, c'est que vous ne laissez pas le choix. C'est peut-être égoïste, mais vous. Et ça vous fait très peur. Ça vous fait très peur parce que vous savez que tout n'est que conséquence dans la vie. Vous savez que vous aimez quelqu'un. Vous savez que vous savez. Mais votre nature profonde vous appelle, mes amis, ok? On va aller clarifier le 8 d'émotion ici, pour comprendre ce 8 d'émotion ici. Parce que j'ai l'impression ici que. Potentiellement, il y a deux énergies ici qui se sont séparées pour dire goodbye, mais qui en fait avaient la main tendue tout le chemin, là, en disant on est toujours ensemble, hein, on est toujours ensemble. Hein, d'accord? Mais c'est qui ces huit mecs avec qui tu fais l'amour? Oh, c'est pas grave, on est toujours ensemble. Non, je déconne les béliers. Mais en tout cas, pour vous dire que le valet de coupe ici, ok, c'est pour vous dire ici que il y a quelque chose de nouveau qui vient. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. Ouais, c'est clair et net. C'est-à-dire que en gros. Vous allez faire des choix qui ne sont pas faciles, mais en concordance avec votre enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule et unique chose qui est avec vous, les béliers, en ce moment, c'est la source. Okay?
C'est pas tel Dieu, tel prophète ou tel je ne sais quoi, c'est la source, d'accord? Ok. Je veux dire, les écharpes sacrées, les trucs sacrés, les médaillons sacrés. Je veux dire, moi aussi, je peux prendre un jeu de cartes et mettre sur mon truc et déposer des gerbes de fleurs tous les jours et aller prier. Au bout d'un moment, mon jeu de cartes, touche pas, ça, c'est sacré, ça. Ok, d'accord, ouais, d'accord, ok. Ma cigarette électronique aussi, elle est sacrée, d'accord. Je veux dire, on peut y aller, ok, avec le sacré, on peut y aller en mode, ok. C'est pas parce qu'il y a 20 000 personnes qui se prennent stern que le mec en haut avec son chapeau, ça, non, rien à voir, ok. Et du coup, je vous pose la question, c'est quoi le sacré, les béliers? Eh bien, c'est ce qui vous accompagne. Tout simplement, ok. Qui nous a accompagnés depuis notre naissance, Dieu, depuis votre naissance, ok. Et d'ailleurs, vous faites partie de ce sacré. Vous êtes un enfant du sacré, ok. Vous êtes lié, en fait. Hein. Est-ce qu'on est en contrôle de notre destinée ou est-ce que tout est déjà écrit? C'est une négociation, mes amis. Hein. Donc, ça veut me dire que vous êtes. C'est une trinité. Vous êtes seul avec partie matière, mentale et divin, d'accord. Et vous portez, j'allais dire, tout ça pour aller quitter les eaux troubles, pour aller vers les eaux calmes. Tout est là, d'accord. Le début et la fin, le début et la fin. Le début et la fin ici, seul, seul. Ok, pour clarifier lui là, d'accord, dans la partie conseil, c'est bientôt la fin des prises de tête, mes amis, d'accord. La libération. La libération de qui, Jay? Eh bien, de lui, tout simplement. C'est la même carte. Avec les chaînes, sans les chaînes. Avec les chaînes, sans les chaînes. Avec les chaînes, sans les chaînes. Faites un remix et postez ça sur tous les réseaux sociaux. Avec mon petit tarot, machin, je suis le magicien blessé. Tu devrais faire des shorts, Jay, faire comme tous ces blaireaux pour avoir des vues, là, pour te la péter, là, ok, hein? Vous mettez des EGM dans votre nourriture, ne mangez pas de... Bref, vous avez compris, quoi. Quoique, ça peut servir. Donc, on a le battleur ici. Non, c'est bien, continue. Ok, donc, on a le battleur ici. Donc, ça veut dire ici que vous allez transformer votre vie, que vous allez transformer la souffrance en libération, ici. Et il faut être fort, il faut être puissant pour faire ça. Il faut savoir se faire violence. Ben justement, la force, là voilà, la dernière des cartes que l'on va clarifier. On me rappelle que tout est bien et que je n'ai le monopole de rien du tout. Vous voyez, je viens de me prendre une grosse claque dans la tronche, là, les béliers, en direct, ok. En disant, tout le monde est unique au monde et personne n'est meilleur qu'un autre, alors la ferme, d'accord. Ou sinon quoi, mon don des cartes me sera retiré. Non, mais tu resteras un blaireau. Très bien. La Queen of Wands. Ouh, ça va devenir chaud. Ça va devenir chaud, mais... Bougez pas. Ok. Donc, vous êtes en train de vous dire si vous aurez la force de vous battre pour... Vous êtes en train de vous demander si vous aurez la force et les ressources de... J'allais dire d'aller vers vos rêves, en fait. D'aller vers vos rêves. D'aller vers quoi? D'aller vers quoi? C'est exactement... En fait, je vais vous dire exactement ce que les cartes m'ont dit là. C'est d'aller vers la passion, mes amis. Parce qu'une vie sans passion, eh ben, une fruit de la passion. C'est exactement ça, ça pourrait être le titre de votre... Non, après, vous allez tout chanter. Vas-y, tranquille, hein. Ok. Donc, non, ce ne sera pas fruit de la passion, mais... vous allez vers la passion. De la passion, on est la création, et ça vient me dire que vous allez vous créer une nouvelle vie, quelque chose de nouveau ici, ok. Donc, c'est peut-être passionnément à la folie, mais il y aura quelque chose. C'est-à-dire que vous allez vers la passion, les béliers. Vous allez vers la passion. Vous allez trouver votre place ici, d'accord? Vers la passion, vers ce que vous aimez faire. Dire oui à la vie, ouvrir les bras à la vie ici, ok? That's what's up. Conseil de l'univers. Je vais reprendre celle-là. Allez, conseil de l'univers en 3 cartes. Body, mind, soul avec une bottom card. Il y avait une petite carte qui était retournée et c'était la carte de la tempérance. C'était la carte... La tempérance, c'est l'énergie de la divine féminine dans ce cycle cosmique. C'est une carte d'alchimie. C'est celle qui vient transmuter la matière. Voilà. Exactement ça. Celle qui apporte l'éducation sur le monde et pas le conditionnement, l'endoctrinement, la lobotomisation. Et c'est exactement ce que vous êtes ici, mes amis, d'accord? Rendez-vous bien compte de tout ce que vous faites. Tout a une importance, ok? Si vous faites des peintures magnifiques, extraordinaires, mais que vous faites ça avec un symbole, vous revendiquez une appartenance, une religion, un truc comme ça, il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est de la violence. Pourquoi? Parce que vous incitez à la guerre, à la dualité. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Et vous vivez ici, vous entretenez les mauvaises choses ici, d'accord? Le plus important pour connaître l'amour, la liberté et la prospérité, c'est le déconditionnement sur notre Terre, sur notre planète, dans notre monde, ok? C'est bien beau d'être un grand
physicien, machin, d'avoir travaillé dans des grandes entreprises et de nous dire que nous vivons dans une simulation et que ceci et que cela, mais on s'en bat les couilles en fait. Non, ce qu'on veut, c'est l'éducation. Mais qui apporte l'éducation dans ce monde? Le hiérophant. Five Star Tarot, Bim Seabreeze, je peux ou pas les guides, exactement, la victoire avec l'énergie des béliers, là, c'est pour ça. Là, tu fais ton métier, là, avec le cancer ici, boum, enfin le chariot, pardon. C'est ça, c'est l'énergie des cancers, de toute façon. C'est l'arcade même, et des scorpions ici. Donc, la réconciliation, la tour, la prise de conscience ici, vers le dépouillement, la liberté ici, ok? La passion. Et dans le sol, en ce moment, c'est la dance of change. Les choses sont en train de... C'est-à-dire que, quelque part, ce changement que vous êtes en train de vivre ici, qui est plutôt lent, ok, la leçon. C'est la leçon, donc vous devez, j'allais dire, prendre la leçon de... Entre quoi, on en revient justement aux étoiles, comme quoi c'est important, merci Marie. Entre besoin et désir, c'est exactement ça. Entre besoin et désir, vous allez devoir trouver un juste équilibre ici, ok. Exactement, mes amis. Entre besoin et désir. Pour vous éloigner de la honte, de la culpabilité, d'accord. D'accord. Par exemple, je sais pas moi, je pourrais aller 2 mois en Thaïlande pour aller, je sais pas, faire la fête à outrance, machin, vodka, machin, les filles, faire n'importe quoi et tout ça, et puis revenir, ok, d'accord, et avoir rien compris, avoir rien, ok. Donc là, c'est ce qui va me ramener vers la culpabilité et la souffrance. Mais je peux aussi aller en Asie pour méditer, pour apprendre des, pour faire du yoga, pour découvrir de nouvelles personnes, pour me perfectionner en finance, faire des nouvelles rencontres, rencontrer des personnes, signer des contrats, manger bien, me réparer, rester en contact avec mes proches et rentrer, j'allais dire pas fier, mais heureux, content de reprendre une... Ok? Et si jamais il y a... Ok? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez apprendre à faire les choses, mais dans un équilibre ici, c'est-à-dire entre désir et besoin. Hein? C'est-à-dire que, en gros, vous allez faire votre mission divine. Le problème est le suivant. Ce qui est simple n'a pas de mérite. Seul l'effort est récompensé. Vous allez faire un effort, l'autre personne aussi va faire un effort. Ça, c'est clair et net. Quelque chose me dit que c'est exactement ça. L'amour ou la peur. Il existe 2 forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. C'est encore mieux dit. Merci mes guides. En fait, c'est ça que j'aurais dû dire. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors, dans quelle énergie souhaitez-vous vous immerger dès aujourd'hui? L'amour ou la peur? C'est exactement ça, mes amis. L'une vous incite, cette force, l'une vous incite à faire des choses pour que vous avez conscience de votre amour propre. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Eh ouais. Le passé. Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé, ainsi que vos bons et mauvais souvenirs, ou mauvais souvenirs, sont définitivement morts. Alors cessez de déterrer et vous croquerez l'instant à pleines dents. C'est exactement ça. C'est pour ça que dans l'école, on vous enseigne la honte et la culpabilité, hein, en premier. On va toujours vous montrer la honte et la culpabilité, que ce soit dès que vous allumez la télévision, la radio, le machin, le fluor, le matin, vous avez quoi? Honte et culpabilité. Honte et culpabilité, violence, haine, rage, division. Pourquoi, hein? Religion, mensonge, illusion. Pourquoi? Bah, pour vous maintenir dans des basses vibrations. Les hautes vibrations, c'est l'apprentissage, c'est enlightenment. Où est-ce qu'on ne fait pas que se divertir, mais on apprend et on grandit, Jay? Avec le Hiérophante, Five Star Tarot, vous êtes sur la bonne chaîne ici. Pourquoi vous pensez que vous êtes que 20 000 et pas 300 000 qui sont chez les autres chaînes d'à côté et qui viennent, bien entendu, sur cette chaîne, je sais très bien, d'accord. Pourquoi? Eh bien parce que c'est toujours une minorité qui va changer le monde, mes amis. Tout simplement, ok. Et aussi, la puissance, respecte la puissance, exactement. Ça veut dire que comme vous êtes puissant, ben vous respectez la puissance. On est frères et sœurs ici. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre et tout ça. En fait, comme vous m'écoutez, vous écoutez juste un pote. Ok, les béliers. Là, trouvé comme du créole. Bon, allez, à plus, les béliers. Merci à vous et je vous embrasse. Love you.